je suis comme ça, je ne mens pas. C'est la vérité, je suis comme ça. Je me suis calmé en fait maintenant. Je suis un peu. Ouais, là tu m'es pas un peu plus. Mais c'est pas du genre, au moins des mauvaises excuses. Frérot, en ce moment, KO avec les lives. Frérot, je peux pas. Ce n'est pas de rap. Pas de rap. On est en train de. Non, mais c'était marrant qu'on habitait vraiment juste à côté. Attends, quoi ? Allô ? Oui. Merde. Non. J'ai encore proprio, on sait jamais. Comme moi, j'étais en centre. Ah, ça me casse les couilles. Le son du jeu est trop fort. Je peux pas mettre au-dessus de 1920. Bon, je rechargerai peut-être mon téléphone tout à l'heure. Attends, on est d'accord que c'est un point and click, hein. Tout va bien. C'est comme le paradis. Je vois mes parents. Ils ont l'air heureux. Ils ont un cadeau pour moi. Ah, c'est un chat. Il est si doux, si joli. Il est sombre comme la nuit la plus profonde. C'est Monsieur Dark, mon seul ami, mon meilleur ami, mon seul ami. On est à un dîner okay, avec la tante. Ouais, ça va vite. Je l'aime beaucoup. C'est vendredi, mes parents sortent. Tante Grace prend bien soin de moi. Nous nous amusons tellement. Ok, c'était lundi soir, je m'amuse avec mon chat. Mais quelque chose sent vraiment mauvais. Une étrange créature devant ma fenêtre. Et devant ma fenêtre. Je n'aime pas ça. Il me fait peur. Soudain, j'entends quelque chose. Et maman, elle hurle. Je veux savoir ce qui ne va pas. Une lumière brille dans la chambre de mes parents.
Je m'approche. Un peu plus près. Maman, papa. S'il vous plaît. Maman, papa. C'est quoi ce bordel? Wesh. Wesh. S'il te plaît, suis ma voix. Au compte de 3, vous vous réveillez. 1, 2. Fran, comment tu te sens? Donc ça, je lui dis, je vais bien, je pense. Soit je dis, je pense que je suis en train de mourir. Je pense qu'on va dire que je suis en train de mourir, parce qu'en vrai, j'ai l'impression de mourir, oui. J'ai l'impression de mourir, je comprends pas pourquoi tu me fais ça, faire ça. Essaye de te calmer, ça fait partie de ton rétablissement. Non mais il est sérieux, Récupère... Rétablissement, tu ne comprends pas, mes parents sont morts. Oh, ma pauvre, tout ira pour le mieux, je te le promets. Là, je peux lui dire, meilleur, laissez-moi partir. Tu ne devrais pas me dire comment faire mon travail. Mais maintenant, j'ai quelque chose pour toi, Fran. Oh, vraiment. Vous voyez sur le bureau, il y a un petit paquet pour vous. Cela vient de Tante Grace. Prenez-le. C'est le sac à main de ma mère. Ouvrez-le, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur. Alors. Cher Fran, voici le sac à main que tu aimais tant. Je pense que tu aimerais l'avoir. Quand je pensais à toi, je me suis souvenu que... Tu aimais examiner les objets et les combiner pour en faire différentes choses. Alors j'espère que tu garderas toujours ce sac à main. Et les choses que... Et toutes les choses que vous trouvez à l'intérieur. Une bonne, ouais, toutes les choses que vous trouvez pour avoir une bonne utilisation de ce que vous trouvez, je sais pas comment le formuler. N'oubliez jamais la créativité est absolument le meilleur cadeau que vous avez. Donc amour, tendresse. Donc en fait, ce qu'elle me dit, c'est qu'effectivement il faut jamais que j'oublie que de combiner différents trucs. Elle est inquiète, elle s'inquiète pour toi. Ah, Tante Grace. Une autre raison de me laisser partir. Eh bien, vous ne vous inquiétez pas pour elle. Elle va bien. Tellement fatigué de tout ça. Je veux juste aller dans ma chambre.
Oui, tu peux partir. Mais avant de le faire, il est temps pour un nouveau médicament. Je ne veux pas de nouveaux médicaments. Je ne veux pas essayer de nouveaux médicaments. Ça s'appelle duotine et ça vous fera vous sentir très détendu. Nurse, c'est merde. Infirmière. nous sommes prêts. Quoi de neuf aujourd'hui, docteur Dirne? Rien en fait. Même vision que précédemment. Ah, je vois. Ici, Fran. Prends ton médicament. Non. Donc il m'a dit on n'a pas toute la journée. Fran, prends ce médicament. Je me sens pas bien. Oh non, ramenez-la dans sa chambre. Et infirmière. Ne laissez plus jamais supporter ça. Ouais, prendre ça ou... Genre prendre le médicament quoi, pardon. Méfiez-vous, Franbo. Si tu quittes la maison de la folie, je vais vous traquer. T'attraper. Et te ramener à la folie. Fran, réveille-toi. Le médicament vous aidera à vous échapper. J'attendrai dans la forêt. Je t'aime. Ma journée sobre. Chapitre 1. Ok. Waouh. Alors déjà, d'où tu mets une chambre avec un truc creepy de clown, là, nique ta mère, frère. Attendez, je vérifie juste que le son est pas trop dégueu. C'est vrai que j'ai pas de retour son, donc... Et en m'entendant en double, je suis désolé. Je suis toujours ici, dans ce lieu hideux. Ah, excusez-moi, attendez deux secondes. Je dois sortir d'ici. Oh, douce mélodie. Fermé. Attends.
Je devrais obtenir la clé pour ça. Alors. Franbo Degenhardt, âge 10 ans, femme. Le patient a été trouvé proche de l'asile Oswan, montrant des signes de psychose. Omnitête, ça veut dire que ça a été un détail, comment dire, pas expliqué quoi. Le docteur Marcel a essayé différents médicaments et tous ont été annulés à cause d'effets secondaires. Ok. Es-tu un clown heureux? Pouvez-vous me faire rire? Un crochet pratique. Je vais le garder pour jouer au pirate plus tard. Je crois qu'elle a dit pour jouer au pirate plus tard. Tour de défense. Nous avons un... Quoi? Ouais, c'est ma sortie. Ok. J'espère que ça ne me tombera pas sur la tête pendant que je dors. Hiding from me. Hate the monster. Je dois trouver Monsieur Midnight. Donc c'est son chat. Je dois le trouver maintenant. Tu me mens mon chat. Il est caché parce qu'il a peur. Il m'a dit que la médecine me montrera où il est. Je vais te trouver, Monsieur Midnight, je te promets. Ne sois pas effrayé, ma chère chat. Ah non, mais putain, elle est en train de lire ce que j'ai lu. Bonjour, Phil. Bonjour. Comment vas-tu? Tout le monde dit que je suis malade. Ils sont juste stupides. Ils disent toujours ça. Et tu pars ce soir? Je le ferai si tu m'aides. La seule chose que je sais, c'est que le bureau est la clé. Une clé? Il y a une clé dans le bureau? J'ai vu le docteur écrire un code secret. Un code secret? Pour ouvrir la porte jaune? Il ne veut pas que je te le dise. Qui? Lui. Oh putain, je viens de me taper un screamer de merde, connard. Toutes les portes sont fermées, prisonnier, j'ai pas eu le temps de lire. Et personne t'aidera à t'échapper. Laisse-moi tranquille, je te déteste. Maman, papa, j'ai tellement besoin de vous maintenant. Je ne laisserai pas ce monstre m'arrêter. J'espère que quelqu'un t'aime. Ah, une clé. Alors, The Boy, donc il a développé une croyance, un comportement. Je crois que c'est behavior, c'est un comportement paranoïa.
Mais c'est bizarre qu'ils disent. Il a développé un comportement paranoïa, mais la paranoïa n'a pas été diagnostiquée. What? Donc il a un traitement journalier. Il n'a pas atteint la confiance du patient et il refuse d'être questionné. Ah, yes, j'ai réussi, il y a quelque chose à l'intérieur. Ok. Je sais pas, c'est ma air clip. Je devrais lui donner une bonne utilisation, je sais pas du tout ce qu'elle dit. Et ça, c'est une photo avec la famille. Enfin, ma chère famille. Ah ouais, d'accord, donc quelqu'un a essayé de sauter par-dessus la fenêtre. Ils ont barricadé. Bonne nuit, arbre et lune. Elle a dit, je suis presque sûr que le terrain de jeu n'est pas un bon endroit pour s'enfuir. Je veux savoir ce qu'elle est en train d'écrire, je suis curieux. Je suis presque sûr que l'infirmière me laissera toucher à rien du tout. Oh, Fran, tu es réveillé. Bien. Combien de temps j'ai dormi? Jours peut-être. Oh quoi? Tellement de dés, je dois trouver mon chat. Ton chat est probablement mort, jeune fille. Maintenant, no leave, c'est genre maintenant, pars, je travaille. Mademoiselle l'infirmière, j'ai fait quelque chose? Vous n'êtes que des ennuis. Qu'est-ce que c'est? Rien.
Je comprends pas ce qu'il faut faire. Infirmière, quelque chose est arrivé. Ah, vois-tu, tu es que des ennuis. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, c'est ça que j'aurais dû lui dire. Les rideaux sont cassés. J'ai essayé de regarder dehors et j'ai accidentellement cassé les rideaux. Accidentellement. Je vais devoir fixer ça. Suis-moi. Quelque chose est manquant. Avez-vous vu le crochet qui retient les rideaux? Je n'ai rien vu, mademoiselle. Je vais devoir trouver quelque chose pour arranger ça. Toi, petite fille. Oula. Pourquoi une fille. Pourquoi. Bah, j'avoue, pourquoi une infirmière devrait avoir ça? Elle veut tous nous tuer? What as... Ah, donc elle s'est réveillée pour boire, mais elle s'est rendormie derrière, mais elle a pas l'air de se souvenir. Social, quoi? Duotis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, H. Bon, rien. Ah, d'accord, des patchs pour stopper... Oula. Un traumatisme violent peut avoir un grand impact sur les enfants, changeant totalement leur vie. Par exemple, un enfant d'Omaijet est blessé par un trauma, peut avoir de sévères difficultés et dans certaines habiletés, dans certaines capacités. Comme faire confiance aux gens, voir le monde comme quelque chose de safe, c'est sûr, prendre des bonnes décisions, etc. À cause de ces effets, certains traumas peuvent laisser de sérieux symptômes et de, je sais pas comment dire ça, de maladies mentales, quoi. Par exemple, ne pas croire les autres et ne pas sentir le... Mais allez, ça se répète, West. Et ça peut être interprété comme de la paranoïa. Drawing of the brain. Examine. Ah non, je dois craquer le code. Aïe. AH8. ABC. Attends. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ah, je suis con, c'est H, I. Donc c'est 9. Ensuite, D, c'est 4. Fuck. Donc, ah oui, le chat m'a dit que ça devrait m'aider. Je
Cheat, 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 cheat. Excusez-moi. Genre le jeu... Non, le jeu fait trop flipper. Oh, mais c'est quoi cette merde, frère? C'était, j'ai pas vu. Ah, mamie, Walden Not Care. Ah, donc elle a eu des sexual abuse. Attends, le roi aime les dessins. Mademoiselle sort. Voilà, pas flippant, hein. C'est pas mal, hein. Est-ce que faut que je reprenne des pilules ? Vous ne pouvez pas lui dire ça. Mais elle doit savoir. Vous ne pouvez pas m'éloigner d'elle.
La raison est plus que claire, Grace. Non, ça ne l'est pas. Je veux la prendre à la maison, maintenant. Vous ne pouvez pas. Fran a une condition mentale qui n'est pas encore appropriée. Est-ce que c'était réel? Oh, tant de graisse. J'espère que c'est ce qu'elle voulait dire. Le docteur n'a pas d'âme. Je vais à la maison ce soir. Frère, frère. Faut que je fasse quoi, wesh? Faut que je reprenne des pilules? Ah. Ce sont à moi, ce sont mes crayons. Puis-je en avoir un? Je voudrais avoir un crayon vert. Beaucoup. Non, je pourrais plus dessiner vert. C'est ridicule. Mais tu en as tellement. Tu as beaucoup d'autres couleurs. Oui, beaucoup d'autres couleurs, mais tu sais. Ils n'aiment pas. Qui n'aime pas. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas que je dessine, mais pourquoi? Qui? Les infirmières. Ils m'attachent. Et quand je veux dessiner, je ne peux pas. Moi aussi, parfois. Elle m'attache parfois aussi, ça fait mal. Quand je ne sais pas dessiner, je me fais mal. Puis vient le lait... Attends, le lait rouge, c'est le sang, là, mademoiselle. Ah... s'il te plaît, soigne-moi. Et stop le Red Mill. Je vais voir ce que je peux faire. Oh, merci. Tu peux avoir le crayon. Maintenant, pars. Tu dois dessiner. Oula. Sérieux, tu devrais être dans ta chambre. La porte était fermée. Tu l'as laissée ouverte. Je suis sûr qu'elle n'était pas ouverte. Je sais, parce que je l'ai fermée. Alors comment tu es sorti? C'était ouvert. N'essaye pas de me tromper. Va dans ta chambre et attends le docteur. Bon, déjà que j'essaye de traduire, je ne ferai pas de doublage audio sur ce jeu. Voilà. Vous êtes échappé de votre chambre, ce n'est pas gentil, Fran. Je n'ai pas... C'est vrai que je n'ai pas mangé depuis des jours.
J'ai faim, monsieur. Je n'écouterai aucune de vos excuses, jeune fille. Laissez-moi manger quelque chose. Docteur, s'il vous plaît, laissez-moi manger. Laissez-moi sortir et manger quelque chose. Il faut apprendre à écouter les responsables. Ah mais... Ah, vous les grands. Ne recommence pas, Fran. Bon, allons manger maintenant. Et retourne te coucher. Amy me casse les couilles, frère. Bon, on va le suivre. Donc la porte est vraiment fermée. Monsieur, la clé qui est pendouille ici, puis-je la voir ? Oui, tu peux prendre la clé. Si tu me donnes, fais un bisou. Wesh, c'est quoi ça ? Vous devriez me donner la clé. Un bisou ? Vous êtes sérieux ? Alors, vous me laissez avoir la clé ? Oui, viens ici et assieds-toi sur mes genoux. Mourez. Qu'est-ce que vous êtes, un loser? J'espère que vous mourrez avec un pineapple géant. Gros seigneur pute. Mais what? Ce qu'il est en train de lui dire. En fait, en pineapple, c'est. Un ananas, hein. Ouais, donc un ananas géant pousse dans son cul, quoi. Je peux pas l'atteindre. Ok. Qu'est-ce que tu regardes ? Rien, je pense. Donc tu es capable de penser. Tu devrais penser à foutre le camp d'ici. Je vais où je veux. Aller où ? Chez ton papa et ta maman. Fous le camp. Ok. Bonjour, est-ce que tu vas bien? Est-ce que c'est supposé dire? Non, je voulais juste savoir si tu allais bien. Je ne veux pas te le dire. Quoi? Le docteur t'ouvrira la tête si vous ne partez pas. Il adore manger les cerveaux. Il a déjà pris le mien. Il a mangé toutes mes pensées. Il a mangé ton cerveau. Il mangera le tien aussi. Je t'ai vu dans le cabinet du médecin. Tu étais mort. Oh non. Je dois y aller. J'espère que vous trouverez de nouvelles idées. Au revoir. Isabelle. What? Ne touche pas à ça, vous mourrez si vous le faites. Vague, ils n'ont pas fonctionné. Que veux-tu dire? Le papier devrait fonctionner... comme ils me l'ont dit.
Mais qu'est-ce que le papier a à faire? J'ai besoin du journal pour me montrer ce qu'il y a à la télévision. Et pourquoi ça ne marche pas? Quoi, Zoé? Les vagues doivent être trop puissantes. Changez de chaîne, s'il vous plaît. Ah, ça marche, je comprends pas ce qu'il me dit. Peur vision positive. Est-ce que je peux le voir? Non, c'est à moi. Si tu le veux, tu peux prendre les papiers qui n'ont pas fonctionné. Ouais. Merci, mais tu m'as dit que ça pourrait me tuer. Je n'ai jamais dit ça. Tu mens. Je suis occupé. La révision de Paper Vision en action. What the fuck? What the hell? Bonjour, es-tu nouveau ici? Je ne t'ai jamais vu avant. Viens-tu d'en bas? Il pense que je vais mieux maintenant. Quel est ton nom? Pouvez-vous me tuer s'il vous plaît? Sur Bang, tu es mort. Merci. Je ne peux plus parler maintenant. Je suis mort. Bonjour. Ah, bonjour Fran. Comment vas-tu aujourd'hui ? Bien. Heureux de l'entendre que tu vas bien. Kari, c'est... Kari Ono, c'est continuer maintenant. Je vais bien. Ouais, en gros, c'est genre dégage, quoi. Ok, bon, clairement, elle m'a envoyé chier sa mère. C'est quand même bizarre parce que j'ai rien colté dans le... Ouais, on va retourner dans votre pièce. Est-ce que je pourrais colter un papier? Ok. Ah, j'ai pas examiné ça. Oh, oh! Ok. Attendez une seconde.
Voilà. Bon, je pense que... J'avais pas vu qu'il y avait un œil. Ne me gêne pas, va-t'en, je mange. Ne touche pas à mon épée. Je ne pensais pas que c'était la tienne. Wow. Attends. Ah oui, beau, c'est tu devrais t'incliner et me parler respectueusement. Je suis ton roi. Alors qu'est-ce que je lui dis? Est-ce que je lui dis j'essaye de m'agenouiller et je joue le jeu et essayer de lui prendre son épée? Je m'incline devant vous, mon roi. Très bien mon enfant, quel est le but de ta visite? Je voudrais... Ouais bon, je voudrais ton épée quoi. Oui. Oui mon roi. Votre épée. Qu'est-ce que tu me donnerais en échange? Tout ce que vous voulez. Votre roi. Votre Highness. Highness, c'est quoi? C'est... c'est Altesse? Quoi? Attendez. Comment ça? Ramène-moi un château et un cheval. Alors seulement je t'accorderai mon épée. Est-ce qu'il faut que je lui ramène genre le cheval Est-ce qu'il faut... Est-ce que c'est la question? Je ne sais pas où je pourrais les trouver. Parfois, une porte fermée te donne plus qu'une ouverte. Alors, c'est pas ce que je pensais que ça allait faire, mais je pensais l'associer et potentiellement le donner à la petite fille. Je pense pas que je l'ai dessiné. Bah tiens... Hein. Oh, c'est magnifique. Exactement ce dont je rêvais. Tu peux prendre mon épée maintenant. Elle est tienne. Est-ce que je peux prendre genre un truc là? Salut Annie, comment vas-tu? Tu n'es pas effrayé par moi? Pourquoi je le devrais? Parce que je peux faire des... Je peux faire des tours de magie. Et t'endormir. Ah, je ne savais pas que tu pouvais le faire. Montre-moi. Je peux le montrer, mais c'est très effrayant. C'est mieux si tu le fais. Je ne suis pas un magicien, je ne peux pas. Je peux te donner des trucs magiques. Vraiment? Waouh. Oula, attends. Madame, vous avez piqué des cachets là. Le truc magique qui fera s'endormir n'importe qui. C'est incroyable. Puissant et grandiose. Ici. Comme cadeau. Prends-le doucement. Ou allez-y doucement. Comment ça marche? J'en ai aucune idée.
je pense qu'en vrai, il y a un monde où il y a une strat qu'il faudrait que j'endorme le garde, mais... En fait, je vois pas d'intérêt d'aller... En fait, déjà, c'est flippant, donc j'ai pas envie d'aller dans le monde des morts, parce que tu vois, si je fais ça et que je suis en mode, c'est parti mon kiki, voilà. On va éviter. Je viens de me chier dessus. Attends, si je combine avec genre ça... Ah ouais. Le sleepy sleepy cake. Je t'ai dit, un bisou pour une clé. Qu'est-ce que tu veux ? Je vous ai ramené un gâteau pour vous. Je ne suis pas intéressé d'en prendre à taking instance comme toujours. Donc c'est ce qui veut dire c'est je ne suis pas intéressé de prendre quoi que ce soit qui vient de toi. Vous le regretterez. Il est vraiment délicieux. Très bien, laisse-le sur la table. Je le mangerai plus tard. Ah oui, il est tout frais sorti du four. Et maintenant, il est très frais directement du four. Très bien alors. Goûtons la brioche. Ah, ok. Je t'ai eu. Maintenant, je peux ouvrir. Je voudrais écrire une lettre pour Tante Grace. Ok, donc là on a encore une autre clé. Mais là t'es là pour fouiller, frère. Ouvre-moi tous tes mails. Alarme code. J'ai pas le temps de lire. What? Une petite fille, une fille oubliée sans famille ni chat mourra quand la lune se lèvera. Qu'est-ce que tu veux dire? Le connard. Ah, Phil. Je suis chez toi.
sais pas si Phil avait l'air de savoir à propos de ça. Ok. Où je suis retrouvé. The patient, is your current target. Réponse is positive. No expanding the trigger gland. What? Est-ce que je peux utiliser ça pour sortir ou je suis baisé? Oh putain! Oh le bâtard! Je serai dans chaque coin pour te faire souffrir et pleurer. Si tu choisis de me désobéir la vie de ton chat, je sais pas quoi. Grand danger. Putain, il m'a fait flipper le bâtard. Ah, mon cher chat, nous serons bientôt de nouveau ensemble, je te le promets. Tu me manques, mon cher. Tu me manques tellement. Pourquoi... Pourquoi... S'il te plaît, ne me laisse pas seul, mon chat. Pourquoi me... Qui es-tu? À la fin du labyrinthe, Fran. Je me suis vanné encore. Je me demande si mes rêves sont vrais. Le monstre ne veut pas me laisser aller à la maison. Mais je dois trouver le labyrinthe. Peut-être que je pourrais trouver Monsieur Midnight. Rainbow, non, je n'ai pas encore vu. Quoi ? La clé du cellier ? Oh non. Et le docteur Office ? Quoi ? Attends, use to have the key. Il avait la clé là-bas. Calmez-vous. La clé n'est pas ici. Je vous préviens, bien sûr, pour vous faire savoir si cela se produit. Mais vous devez vous calmer. Oui. Si je la trouve, je la porterai, d'accord ? Au revoir. Mais what? C'est quoi les conditions de cet hôpital, frère? Aïe aïe aïe. Oh, ça sent pas bon. Oh, ça ne sent pas bon.
Ok. Quoi cette merde? Ah, les clés sont là après tout. Je vais les prendre. Ok. Bon, vas-y, prends-les, barre-toi. Attends, ce que... Mais c'est ça, hein. Ferme code décembre 17, juillet 25. Décembre, ça serait. Ah oui, genre décembre 17? Attends, je comprends pas. Quatre codes. Le problème, c'est que là, on a 4 infos. On a décembre. Décembre, c'est 12. 12 plus 17, ça fait 29. Enfin, je sais pas si c'est ça. 25 plus juillet, ça ferait 32. Ça serait 29-32. Si on suit l'ordre. Ok, c'était super simple. Ok. M'a pas vu. Ah, toi petite petite salope, je vais te faire payer pour ce que tu as fait. Espèce de petite fiancée, tu penses que tu peux juste partir? Quoi? Ça ne peut pas être possible, non? Je dois aller dans le... Planter le jeu ou quoi? Attends. J'ai cliqué trop vite? Ah, j'ai cliqué trop vite.
Wesh, attends-moi. Mais wesh. Mort? Attends, il est allé à droite. Il est allé où après? Il est parti où? Oh shit. Pour moi, il est parti en haut. Hein. Ah non, attends. Je vais faire le labyrinthe, je pensais pas que c'était pour sauter le mini-jeu. Ok. On reprend. Shit. Attends. On sait prendre un raccourci. Et point du tout. En fait, ce qui est chiant, c'est que je sais pas où il est passé après. Je peux pas le suivre en fait. Ah ouais, en fait je ne peux pas le suivre. Ok, je dois me fier au bruit. Un bâtard qui m'attende pas, le chat, par contre. Oh non.
Est-ce que j'essaye de le baiser en passant par là? Pour voir où il va. Toi, je te passe là. Hit. Ok. Mais t'es pas trompé alors. Ok, je m'étais pas trompé. Ok, c'était bien par la droite. Ok. The evil creature of the night. Ils te chasseront. Et il y aura toujours un bon côté. Un chat plein d'écrous et de boulons. Sera toujours ton guide. Vous avez lancé votre game là? Oui, bah ouais. Ok. On est à 6 minutes de jeu là. Envoyez-moi un message quand vous avez fini. Ça va obligé. Ok. J'espère que les gardes ne m'en trouveront pas ou je sais pas quoi. Piano. Ok. Bon bah là on a plutôt bien avancé hein, en vrai. Hein. Ok. D'accord. On a encore le crayon. Bonjour, arbre. What the fuck? Oh, c'est vraiment un énorme insecte. Waouh! C'est vraiment une grande fourmi. Qui est là? Es-tu vrai? Excusez-moi, monsieur. Êtes-vous réel? Vous demandez toujours la même chose, toujours. Qu'est-ce que vous voulez dire? Toujours, par toujours. Bien sûr que je suis réel. D'où venez-vous? Je me suis échappé d'un hôpital pour fous. Mais s'il vous plaît, ne le dites à personne. Je ne dirai rien, rassurez-vous. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Il m'est arrivé de très mauvaises choses, monsieur. Mais maintenant, je cherche mon chat. Un chat, vous dites? Un chat noir. Avec de grands yeux jaunes. Monsieur Midnight. Je vois. Je suis désolé, ma fille. Vous ne l'avez pas vu?
Il se trouve que le chat est mangé, mâché et avalé. Mangé ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Le chat noir qui est venu vers moi dans un... Un Uri. Vers moi de tout... Ouais, en hâte. Je l'attrape et je le donne à mon Beetle Pig. Mon Beetle Pig est à faim. Alors, mon pauvre Beetle Pig n'a pas eu de nourriture depuis plusieurs jours. Le temps des bleuets est passé et nous les avons tous mangés. Arrêtez ça, vous ne voyez pas, Monsieur Midnight est le seul que j'ai. Are you joking? Donc êtes-vous... Est-ce que vous plaisantez? S'il vous plaît, dites-moi que vous plaisantez. Alors, petite fille, ne pleure pas, je peux chanter pour toi si tu veux. Vous êtes un meurtrier. Vous ne savez pas ce que ça fait d'être seul. Je sais, oui. Je suis le dernier en vie. Laisse-moi t'aider, oui. Comment pouvez-vous m'aider ? La digestion n'est pas si rapide, vous savez. Peut-être qu'il est encore en vie. À l'intérieur de Beetle Pig. Ah, dois-je faire quelque chose ? Comment faire vomir le Beetle Pig ? Le scarabée, c'est aussi le seul ami qu'il me reste. Mais j'ai besoin de viande. Je peux tuer Beetle Pig, votre ami ? Oui, fais-le. Tu peux tuer Beetle Pig. Et Antonio le Grand, je mangerai la... Et moi, Antonio le Grand, je mangerai la viande. Bon bah ça a l'air de... Ok, c'est parti en cocognette. Mais qui est une entrée ? Toi. The threat is great. La menace est grande. Super. Réveillez-vous. Monsieur, réveillez-vous. Je pense que le Beetle Pig n'aime pas l'idée d'être tué. Je vois, mais c'est tout à fait normal, non ? Qu'est-ce que je dois faire ? Alors ? Je dois lui donner une baie spéciale, les myrtilles. Où est-ce que je dois trouver des myrtilles alors ?
Je ne devrais pas te dire ça, mais j'ai des bonnes relations. Ils habitent chez moi. Ils ont des myrtilles. Ma maison est dans cette direction. Fais attention. Merci beaucoup, monsieur. What the fuck? Ça devrait être une maison de fourmis. Ah, j'ai cassé la porte. Maintenant, je peux rentrer. Waouh, tu es vraiment rare. Ok. Je dois faire. OK. Ouais, c'est glauque. Qu'est-ce que c'est? Exterminator. Et là, en vrai, je vais utiliser ça sur lui. Ah, ils ont fermé la porte à clé. Mais c'est pas mon chat. What? Mais tu n'es pas mon chat. Ah, oh, Miss Mouva est sauvée. Mais attends, mais il m'a baisé, wesh. C'est quoi, Miss Oui? Oh, misery. Oui. C'est
C'est, ouais, c'est misère. Juste, tu m'as sauvé de la misère, mais c'est bizarre de dire ça quand t'allais te faire bouffer. Oui, monsieur Midnight. Je présume que vous vous sentez déçu. Qui cherchez-vous? Je cherchais mon chat. C'est nous. Ah. Mademoiselle, je n'aime pas beaucoup les chats, vous savez. Un noir avec des gros yeux jaunes. Il a essayé de m'attraper. Ah, oh, vraiment? Vous semblez avoir des ennuis. Attendez, c'est peut-être mon chat. Madame, s'il est, alors c'est lui qui a des problèmes maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux vous montrer, suivez-moi s'il vous plaît. Ce n'est pas loin d'ici. Here we are. Donc, nous voilà. Quelqu'un l'a pris, mademoiselle. Ils ont tout simplement disparu. Pouvez-vous être plus spécifique? Si seulement je pouvais, on aurait dit que la terre les avait engloutis. Il n'y a rien d'autre que puis-je faire pour vous. Faites-le moi savoir, je serai dans le coin. Ceux qui ont pris votre chat avaient l'air de venir d'un autre monde. Peut-être qu'ils avaient comme un portail que personne d'autre ne peut voir, qui sait. Quoi ? Un portail ? Un portail, mademoiselle. C'est comme une porte normale, je pense. Je vois. Merci, monsieur Rat. Mais attends, faut que je lui parle en boucle, parce que j'ai l'impression qu'il allait me dire un autre truc. Excusez-moi, je vais refaire un alt tab vite fait. Ok. Alors, est-ce que tu peux venir autre chose? Attends, je suis désolé, je vois, mes yeux sont vraiment vieux.
J'arrive pas à comprendre ce que je dois faire. Curiosité is damn, damn you, curiosité. Oh. Oh, j'aime être curieux, sinon comment allez-vous apprendre des choses? Pourquoi vous me laissez pas prendre la clé? Qu'est-ce que vous êtes? What est la bonne question, mais pourquoi devrait être plus approprié? Je voudrais la clé. Je n'ai pas le temps de bavarder, monsieur. Je voudrais la clé. Ah, mais cette clé n'est pas à nous. Mais c'est sûr que ce n'est pas la vôtre. Alors donnez-la-moi. Je veux savoir quelle porte peut être ouverte avec ça. Oui, cooldown. On s'en fout. L'affection envers vous est tout simplement nulle. Vous êtes vraiment honnête. J'aime ça. Je suis une personne, Fran. Ravi de vous rencontrer. Intéressant, dis-nous en plus. J'ai un chat. Ouais, j'en avais un. Il a disparu maintenant. Je dois le retrouver. Vraiment? Puis-je avoir la clé maintenant? Écoute, Anne, nous venons du sud. Voler, comme toujours, je sais pas ce que je veux dire. Et l'un de nous s'est intéressé à cette clé. Et nous sommes restés coincés ici. Ah, et à cause de nos longs cheveux, nous ne pouvons nous enfuir. Vous voudrez que je vous l'aide? Ah, vous êtes curieux aussi, vous voulez que je vous aide? Nous restons généralement coincés sur les armes, mais nous avons quelque chose pour réparer ça. Un beau peigne pour se peigner les cheveux à chaque fois qu'on se coince. Donnez-le-moi. Le peigne que je puisse vous réparer. Il y a un problème, un voleur a pris le peigne. Maintenant nous sommes coincés pour toujours. Si tu trouves le voleur et le peigne, vous aurez la clé, d'accord? Et à quoi il ressemblait? C'est un rat. Un sale rat narcissique. Il a pris le peigne pour être beau. S'il te plaît, trouve-le et délivre-nous de notre curiosité. Je vais faire mon meilleur possible, quoi. Excusez-moi. D'accord, donc en fait, le rat de salope. Allô? Ouais, t'es là? Oh, vous avez fini tout, vous avez perdu? Ouais. Non, on les astompe, mec. On les astompe de ouf, frère! J'étais trop bien, j'étais en 6-0. Okay, je finis juste mon live, genre je sauvegarde et j'arrive. Ok. Putain. Ok, bon, je vous fais des gros bisous, tout le monde. On va s'arrêter là sur Franbo. C'est une sacrée découverte en vrai. Le jeu, il est, il peut être vraiment flippant, genre c'est une dinguerie. Je m'y attendais pas du tout. Parce que les moments de screamer et les moments très gore et tout, le jeu est assez perturbant, tu vois. Dès que tu prends tes piles et que ça part en mode cacahuète comme ça, t'es en mode... Wesh frérot, si ça pouvait éviter de... Filmi. Ok, bon, théoriquement, on va retourner au menu. Si je fais continuer, il me remet où? Il me remet là.
Ah d'accord, et là on a débloqué les chapitres. Donc j'imagine que t'as tout un truc autour des différents chapitres que t'as chopé. Ok. Bon bah des bisous tout le monde, et à la prochaine pour la suite. J'espère que ça vous aura plu, c'était Franbo. On a fait les deux premiers chapitres, et notre but ça sera de, bien sûr, finaliser le jeu. Voilà, voilà. En tout cas, c'est une grosse masterclass ce jeu. Gros défaut du jeu, en tout cas, c'est juste le fait que... En fait, il apparaît dégueulasse sur mon écran parce que je peux pas augmenter la résolution et je trouve ça con que les devs ont pas pensé à ça. Et c'est pas grave. Allez, des bisous tout le monde!